Bon, à ce moment-là, on est fin 72. Comme j'ai dit, je crois qu'il est quand même prudent et temps de quitter la Tanzanie pour que les choses se décantent. Heureusement, il y avait, entre guillemets, deux possibilités. Il y avait un poste qui s'ouvrait à l'université de Nairobi et il y avait un père blanc qui était aumônier qui pouvait... appuyer la demande, comme on dit délicatement. Mais surtout, le supérieur général des Pères Blancs, qui était toujours Van Asten, avait eu la demande d'un jésuite flamand très connu, et j'ai sa photo mortuaire derrière moi, parce qu'il est mort il y a à peine quelques mois, le père Jan Kerkhoffs, redoutable. Plus jésuite que ça, et on, qui avait créé un centre, à la suite du Vatican II, un centre d'information et de recherche internationale au service des églises. Ça s'appelait Pro Mundi Vita, pour la vie du monde. C'était installé à Bruxelles, à la rue de la Limite. C'est un nom tout à fait indiqué. Il y avait une dizaine de sociologues et de sciences humaines qui travaillaient là-dedans. On publiait des bulletins et des dossiers qui étaient traduits en 5 langues et qui étaient envoyés gratuitement à tous les évêques catholiques du monde, à tous les supérieurs majeurs du monde et à un tas d'autres gens dans les milieux ecclésiastiques. C'était une sorte de think tank pour aider à la décision. Et donc, on faisait des dossiers sur la religion populaire, sur les multinationales, sur la théologie, toutes sortes d'enjeux, si tu veux, ecclésiasticaux, mondialiaux, etc. Et c'était vachement bien financé. Ils avaient des sous des évêques allemands et des évêques hollandais qui ne savaient pas quoi faire souvent avec leurs sous. Et donc, ils ont financé cette espèce de think tank à Bruxelles. Et lui... avait été sollicité par les évêques du Nigeria pour des conseils. Ils étaient en pleine guerre de Biafra, donc ils ne savaient pas sur quel pied danser non plus. Est-ce qu'il faut investir dans les écoles, dans les hôpitaux, ou est-ce qu'il ne faut pas s'orienter vers, etc., etc. Et ils avaient demandé au père Kerkhoffs, est-ce que vous n'auriez pas un sociologue qui pourrait nous aider, nous orienter dans les décisions à venir post-guerre Biafra. Et Kerkhoffs avait demandé à Van Asten, est-ce que vous n'auriez pas, par hasard, parce que son frère était père blanc, est-ce que vous n'auriez pas... Bon, c'est des histoires de famille. Ça reste en famille. Est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un de... Alors, oui, ça tombe bien, on a Mike, quoi. Il est bon pour le martyr. Et donc, c'est comme ça que je suis revenu à la fin, vraiment, le 31 décembre, je débarque à Bruxelles et je suis amené à l'aéroport dans une voiture blindée jusqu'à Kerkhoffs qui m'explique le programme en disant, voilà... D'ici un mois, voilà votre visa pour le Biafra et partez enquêter pour les évêques. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé par hasard dans cette boîte que moi j'appelle, ça a énervé, bref, quelque chose, de l'espionnage ecclésiastique. Parce qu'effectivement, ça se faisait quand même un peu en coulisses. Alors, je débarque au Nigeria en pleine turbulence, c'est pas possible. Il y a s'il y a quelque chose du noir au blanc, c'est vraiment ça. Tu parles de la Tanzanie, les Bantous sont excessivement joviales, accueillants, conviviales, mais très doux, très réservés, très pas bruyants pour un sou. Tu débarques
au Nigeria, mais c'est comme l'Amérique latine. Ça grouille en tous les coins. Il y a 36 prophètes. Il y a des inspirés à tout bout de rue. C'est des immenses villes. Depuis quand les Portugais sont arrivés au 16e siècle, ils étaient sidérés par l'urbanité de Lagos et de Ibadan et du Bénin. Ils se sont mis au service des rois nègres. C'était le Nigeria est vraiment hallucinant, comme entre guillemets, et surtout le sud ouest chez les Yoruba, qui sont déjà, on dit, voilà, la tribu des Yoruba, ils sont plus nombreux que des Belges. Déjà à l'époque, il y avait 12 millions en Belgique, il n'y en avait que 9. Et donc, je dis, il y a quelque chose qui va. Et d'une sophistication, le vieux chez lequel j'ai habité en Tanzanie était un forgeron. Ça veut dire, de temps en temps, il sortait ses souffleries et fabriquait des houes et des haches avec des morceaux de Land Rover récupérés ou volés. Chez les Yoruba, tu avais des véritables usines, et les mêmes instruments, les mêmes types qui soufflaient, mais une centaine en coopérative fabriquant à tir l'arigot, des houes et des haches pour vente publique, et des tisserands. Non, c'était, pour moi, c'était sortir de l'Afrique et aller en Amérique latine. Et une richesse, une élite militaire et des universités déjà, partout. Et donc, je fais cette enquête. Je suis de nouveau logé chez un brave jésuite américain, Bill Ward, dans un centre pastoral en banlieue de Ibadan. Je fais des pré-enquêtes dans les paroisses. J'avais des sous pour la première fois de ma vie. Je pouvais. Quelqu'un s'est dit, si vous avez besoin d'une voiture, eh bien, achète-le. Bon, je commande un Volkswagen Orange, qu'on m'a bousillé tout de suite, et dans lequel j'ai pris une fois un prophète habillé comme Père Noël et qui dit, c'est la fin du monde. Moi, j'ai dit, tant mieux, parce que je n'ai pas encore payé la voiture, donc ça tombe bien. Il faisait de l'autostop. Et donc, j'ai fait ces enquêtes dans les paroisses. J'étais sidéré de nouveau par la sophistication des gens. Ils étaient plus civilisés. Ils parlaient mieux l'anglais que moi. Ils avaient un vocabulaire. Les Yoruba anglophones, et parce que les langues sont tellement difficiles et multiples au Nigeria, tout le monde parle anglais. Tous les journaux sont anglais. Mais un anglais qui sort tout droit de Shakespeare et du King James Bible, avec un vocabulaire très, très riche. Il y a des protestants partout, des assemblées de Dieu, des mosquées. C'est impressionnant. Pour moi, venant d'un pays, entre guillemets, sauvage comme la Tanzanie, c'était époustouflant. Oh, je fais tout. Et on prépare une questionnaire. Alors, moi, j'ai jamais fait des statistiques. Les questionnaires, c'est pas mon fort. Le dialogue, participation observante. Donc, je ne savais pas combien de questions il fallait poser. Après, on m'a dit, pas plus que 10. Mais nous, on en a posé une centaine. C'était une pamphlette, c'était un petit bouquin. Et comme les gens n'avaient jamais subi des questionnaires, ils étaient tout contents. On m'a dit, les paroissiens se sont réunis pour remplir ce questionnaire. Ils ont passé des jours et des nuits à cocher les cases. Il y avait toutes sortes de questions sur la polygamie, sur les funérailles, sur 36 choses de sociologie, sur le célibat du clergé, sur le mariage des prêtres, tout et n'importe quoi. Et j'avais 99 questions, un peu comme les noms de Dieu, et j'ai dit, il me manque un centième. Alors le jésuite a dit, mais voilà, pourquoi est-ce que vous... Il y a un gros problème ici, c'est que le clergé, il est près de ses sous, si tu veux. Et effectivement, avant d'aller au Nigeria, les bailleurs de fonds allemands m'ont dit, écoute Mike, on a un problème. C'est que les évêques du Nigeria nous ont demandé de requinquer leur flottille de voitures pastorales, parce qu'ils ont été bombardés ou scrotés pendant la guerre.
Et ils ont dressé la liste. Ils ont dit, voilà, pour un archevêque, un Mercedes. Pour un vicaire général, un Peugeot 504. Pour un abbé de paroisse, un Renault. Et si jamais les missionnaires demandent, un deux chevaux suffira. Alors ils ont dit, là, il y a un problème, entre guillemets. Et donc, on a décidé de demander une pièce de résistance, le clou dans le cercueil. Et si Jésus revenait et on lui offrait un Mercedes, qu'est-ce qu'il en ferait? Alors là, les questions étaient hallucinantes. Non, les questions étaient déjà remarquables en soi. Mais les réponses étaient encore plus interpellantes. À 90%, les gens, les paroissiens, ont dit Jésus, malin comme il est, aurait dit merci beaucoup. Il aurait pris le Mercedes et il l'aurait vendu et donné les sous aux pauvres. Ou il aurait dit va les rétro, Satanas, je ne cherche pas à me corrompre, je suis pur, je ne veux pas de vos cadeaux. Et donc là, pas question d'avoir des Mercedes. Vous savez, ça fait partie de l'identité d'un monsignor. Tu peux prendre le transport en commun comme tout le monde. Quand j'ai demandé la même question aux prêtres, aux séminaristes et aux évêques, ils ont dit, que voulez-vous, mon père, en Afrique, on ne refuse pas un don. On ne peut pas refuser un don. Et Jésus, de son vivant, il a toujours choisi les meilleurs moyens de transport. Un bourricot, une pirogue. Donc, c'est bon. Tu vois? Bon, la question, ça, c'est... Parce que je suis revenu à Bruxelles 6 mois plus tard, avec un tas de dossiers à dépouiller. Ça a pris des mois à dépouiller tout ça, à mettre ça en musique. Et j'étais sur le point de publier ça quand on a reçu une lettre signée par la nonce apostolique et le président de la hiérarchie du Nigeria en disant « Jamais, jamais vous devez faire circuler les résultats de cette enquête. C'est ignoble, c'est intolérable, c'est totalement à côté de ce que nous aurions souhaité, si vous voulez. » Parce que j'avais demandé aussi des problèmes sur la sexualité des prêtres, si tu veux. Alors, on m'a accusé d'être littéralement un Kinsey clérical. Parce que j'ai dit... Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le célibat, c'est bon. Moi, j'ai jamais été malheureux comme célibataire. J'avais même... Quand j'étais à Oxford, il y avait un prêtre Igbo qui faisait aussi de l'anthropologie. Et il voulait faire dans la culture, il y a une agence culturelle française et il voulait demander un boost de l'agence culturelle française. Il avait reçu un formulaire où il fallait mettre son âge, son nom, son statut, etc. Et sur statut, il a dit, mais qu'est-ce que je mets? J'ai dit, mais tu mets célibataire? Alors il écrit et je dis, bon, laisse-moi voir. Il avait écrit, c'est la liberté. Donc j'ai dit, qu'on soit célibataire ou pas, peu importe. Mais ce qui était intéressant dans l'enquête, c'est que les gens n'y croyaient pas. Ça veut dire, pourquoi est-ce que les missionnaires rentrent chez eux tous les 2 ou 3 ans? Mais c'est pour voir leurs femmes, si tu veux. Et le clergé africain, là, ce qui énervait les gens, c'est qu'ils ne s'occupaient pas de leurs enfants. Qu'ils soient mariés, ça, c'était normal. Mais ce qui chiffonnait les gens, c'est qu'ils ne s'occupaient pas de leurs enfants. Bon, ça n'a pas plu, évidemment, ni au nom. Ça passe. Surtout aussi, les gens avaient dit, monsieur le professeur, est-ce que vous ne pourriez pas prévoir un 8e sacrement?
Mais j'ai dit, comment, huitième sacrement? Oui, parce que, bon, baptême, confirmation, la messe, oui, c'est le prêtre, il veut un calabasse, et il veut de la bière locale au lieu du vin de la messe. C'est bon, africanisé, c'est bon, incarné. Mais nous, notre gros problème, c'est les sorciers. On a des gros problèmes avec les sorciers et l'Église ne fait rien ou ne veut rien faire parce que nous savons très bien que le prêtre, il peut bousiller les sorciers, mais il le fait pour lui-même et pour les siens et pas pour tout le monde. Donc, de grâce, demandez au pape un septième sacrement contre les sorciers. Bon, évidemment, ça non plus, ça n'a pas passé comme une lettre à la poste, si tu veux. Mais ce qui est très intéressant, toute modestie à part, c'est que, de nouveau, je me rappelle encore que, revenu de la Tanzanie, mois de janvier, on me prépare à cette mission délicate en réunissant à Évreux, chez les jésuites, un panel de grands sociologues et de grands anthropologues. Il y avait un Hollandais, il y avait un Allemand, il y avait Kerkhoff. Ils ont tous... Parce que j'étais jeune à l'époque. Et ils ont dit... vous avez des hypothèses de travail, n'est-ce pas? Ouais. Oh, j'en ai en pagaille. J'ai jamais entendu parler d'hypothèses de travail. Mais je dis, non, vous en faites pas, ça ne manque pas. Ah, mais c'est bien. Ils étaient très rassurés. Ils ont dit, voilà, vous pouvez partir en paix et faire l'enquête comme bon il vous semble. J'en avais pas, honnêtement. J'ai demandé tout et n'importe quoi, selon que les gens... discutaient dans les réunions paroissiales. Effectivement, ils discutaient souvent de sorciers. Il y a eu des terribles mouvements anti-sorciers dans beaucoup des paroisses par lesquelles je suis passé. Les Atinga dans les années 50, ça n'a pas... Et je connaissais un père blanc, un copain, Mark Shields, qui est devenu anthropologue aussi, et qui est à Belfast avec sa femme, et qui était un des seuls pères blancs qui a réussi à apprendre la langue. Le Yoruba est excessivement compliqué, une langue à ton et monosyllabique, donc F-E-I-D-E-B-O-B-O. Une fois dans la voiture, je dis, je m'arrête, je sors la carte et je dis, où est-ce? Aider, c'est où? Et les gens, ils ont aider, paraît-il, ça voulait dire petit poids. Aider, ça voulait dire... Alors, ils n'ont rien compris. Et moi, je croyais qu'ils se foutaient de moi. Les langues à ton, c'est très... ce brave père blanc avait connu très bien. Et lui m'a beaucoup aidé à voir là où le bas blesse, si tu veux, au niveau de la pertinence du catholicisme par rapport au vécu local. Mais ce qui a... Tout d'un coup, à Bruxelles, ça a fait tilt dans ma tête. Et j'ai intitulé l'enquête, ça fait un gros truc de 400 pages, « Let my people go », « Laisse partir mon peuple ». Parce que j'avais, non pas l'impression, mais les réponses, on avait fait des enquêtes pour les laïcs, une enquête pour les protestants, un questionnaire pour le clergé, un questionnaire pour les adolescents et un questionnaire. Donc, il y avait 5 questionnaires. C'était vraiment un truc tous azimuts, pas très scientifique, évidemment, mais très intéressant. Et tout d'un coup, de nouveau, c'est pourquoi c'est pas de la blague, mais les épaisseurs empiriques peuvent t'emporter, si tu veux. L'enracinement, ça, c'est crucial. Ce n'est pas des élucubrations en l'air, c'est emporté par les épaisseurs que tout d'un coup, toc, ça fait tilt dans ma tête. Chaque groupe était en train de demander à ses vis-à-vis hégémoniques, fous-moi la paix, laisse-moi tirer mon plan. C'est-à-dire, les évêques m'ont dit textuellement, on aimerait bien donner plus de collégialité, plus de pouvoir aux prêtres, etc. Mais on ne peut pas, parce que le nonce apostolique, il est là à nous surveiller. Donc, eux, ils demandaient au nonce, mais fous-nous la paix, laisse-nous tirer notre plan. Le clergé que j'ai interviewé disait, mais
les évêques, c'est pas possible, c'est des tyrans, c'est des gens qui se prennent pour des rois sacrés, ils consultent, mais ils tiennent pas compte, qui nous laissent tirer notre plan. Les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, les indigènes et les Ibos et les Yoruba, tout le monde avait cette volonté, mais donne-moi de l'air, laisse-moi respirer, aménage-moi un territoire à moi, si tu veux. Et donc, moi, je crois, que, toute modestie à part, que c'est aussi les lieux, si tu veux, chacun aimerait bien qu'on lui foute la paix dans son lieu, qu'on ne l'envahisse pas, qu'on ne l'exproprie pas, qu'on laisse au moins temporairement qu'il s'identifie. Et donc, ça, j'ai fait cette enquête, ça a été publié. À l'époque, on rognotypait comme une thèse, quoi. Mais c'est j'ai relu quelques passages, j'étais sidéré par la qualité de mon anglais, toute modestie à part. Et surtout, par des histoires qu'il y a là-dedans, des histoires de sorcellerie, de sexualité, de toutes sortes de choses qui sont très intéressantes. Les catholiques hiérarchiques n'ont pas très bien pris ça, mais j'ai reçu des lettres des protestants, entre autres, et des braves gens à la base qui ont trouvé ça absolument sidérant et ça donnait à penser, etc., etc. Donc, ça nous amène vers... Il y a encore beaucoup de... Vous avez encore 10 minutes. Donc, prochaine étape, je retourne à Bruxelles. Pro Mundi Vitae, c'était un gros bazar, si tu veux. On avait un super bureau près de l'observatoire à Bruxelles. On organisait des grands colloques chaque année. C'est là où j'ai de nouveau croisé des grands théologiens. C'est là où j'ai croisé Illich, qui était venu aussi parler de son affaire à Guanavaca. J'ai connu Illich vraiment quelques semaines avant qu'il ne meure. C'était un type remarquable aussi. Mais tous les gens, pour mon évitat, c'était vraiment une sorte de plaque tournante pour l'aile mouvante de l'Église. On avait, les théologiens venaient en pagaille, Congar, Laurentin... Rahner, tous ces gens passés par mon évitage, c'était des grands colloques sur des thèmes, les ministères dans l'Église, les femmes dans l'Église et tout ça. C'était vraiment, tout ça a disparu. C'est-à-dire avec l'avènement de Jean-Paul II, on a dit, bon, l'Église n'a pas besoin de réfléchir. Le programme est écrit. On applique, si tu veux. Il n'y a pas besoin... d'un think tank, c'est quand vous ne voyez pas clairement le programme, et le programme il est là, il n'y a qu'à le suivre, il y a le droit canon, il y a le Monseigneur à Rome, il y a le Saint-Office, il n'y a pas besoin d'un bazar à Bruxelles qui fout la pagaille, si tu veux. Et donc ça a totalement implosé et disparu. Mais j'ai dit, même matériellement, c'est par dizaines de milliers que les publications Pro Mundi Vitae étaient éparpillées par tout le monde. Moi, j'ai surtout fait des petits dossiers africains. Et c'est là, si vous voulez, où j'ai mis le paquet de toutes mes expériences de la Tanzanie. Je savais très bien les problèmes de l'Église en Afrique. Ce n'était pas la messe face au peuple ou en chinois ou Dieu sait quoi. C'était les esprits, les sorciers, les ancêtres. Donc, j'ai mis... la plupart de mes données inédites dans les dossiers africains. J'ai fait des dossiers sur les femmes africaines, sur la politique africaine, sur l'écologie naissante, sur l'islam, toutes sortes de trucs comme ça. Kerckhoff était très content de me revoir revenir vivant, qu'il a dit, bon, reste... C'était sympa. Surtout, je coûtais pas cher. On avait un salaire de misère qui allait chez les Pères Blancs. Ils payaient 15 000 francs belges à l'époque. Si j'avais besoin d'un paire de slips ou d'une bouteille de whisky, j'allais chez l'économe et il me refilait les sous. Mais moi, je touchais rien, si tu veux. C'est comme ça que ça se fait.
Je travaille, je publie, c'était merveilleux. C'est un peu comme le CNRS, c'est pas le CRS, le CNRS. On ne faisait que ça, on ne faisait que bouquiner, lire, circuler. Tu demandais n'importe quel bouquin, ou tu voulais t'abonner à Playboy, tu demandais à Kerckhoff, il signait un chèque. À l'époque, il y avait de l'argent. Il était un type qui circulait très bien, qui parlait toutes les langues du monde et qui était très introduit chez les évêques allemands. Donc, il revenait avec le gros lot. Et donc, il payait, il finançait tout. L'Institut, on était abonnés à des dizaines, des centaines de revues. Et des revues confidentielles, toutes sortes de trucs qui circulaient à droite et à gauche en cachette. On avait tout ça. On avait un archiviste remarquable qui dépouillait, qui cochait nos noms, et voilà, lisait cette page-là. Non, non, c'était des années fastes, où je n'ai fait que, je n'enseignais pas, je n'encadrais pas, je ne faisais que, comme les CNRS, quoi, la recherche pure, conférence par-ci, par-là. Et à un certain moment, il reçoit encore une demande de l'épiscopat de l'Éthiopie, qui se débattait dans la révolution de Mengistu. C'était 76, ça pétait dans tous les coins, et la hiérarchie catholique de l'Éthiopie a demandé à Kerckhoff, est-ce que vous ne pourriez pas organiser aussi une sorte d'enquête socio-pastoral pour qu'on sache ce que nous pourrions éventuellement réaliser à l'avenir. Donc, Kerckhoff a dit, voilà, moi, je suis indispensable en Belgique, je dois confesser le roi. Il était aumônier des businessmen catholiques, il dit, moi, je ne peux pas voyager. Les pères blancs, il y en a pas mal. Si on en perd un dans une révolution, c'est pas grave. Bon, allez-y en Éthiopie. Je vous donne ma permission. Moi, je n'ai pas besoin de permission, mais j'y vais quand même. Et il a dit, bon, créer une équipe, quoi. Il vous faut un sociologue, il vous faut un islamologue, il vous faut un théologien orientalisant. Et donc, j'avais engagé, sous-traité un islamologue, un sociologue et un théologien orientalisant. Et on avait déjà commandé un Land Rover climatisé. Les sous, c'était hallucinant. Et puis, tout d'un coup, ça pète, si tu veux. C'est des massacres partout, c'est la guerre civile. Alors, les évêques disent, c'est peut-être pas le moment d'envahir le pays en équipe, mais envoie-nous quelqu'un quand même. Ok, que ça dit, voilà, Mike, allez-y. Alors, je prends l'avion Ethiopian Airlines pour Addis Abeba. Et on appelle aussi dans l'avion un truc assez cocasse. Ça veut dire en Éthiopie, c'est dans l'Afrique, entre guillemets, mais c'est pas l'Afrique. Et ils le disent très bien. Les Éthiopiens, Haïlé Selassie, il a été très comme ça avec l'Afrique noire, mais c'est pas du tout. Géographiquement, c'est hallucinant. C'est des montagnes, des ravins, des choses. Même la faune et la flore sont absolument, entre guillemets, non africains. Et la civilisation n'a rien à faire avec le monde bantou ou Nilote ou Afrique de l'Ouest. Et ce qu'ils mangent, ils mangent un truc absolument inédit ailleurs, c'est le tef. C'est une espèce de minuscule grain comme le simsim, qu'on fait comme pâte et qu'on fait un grand crêpe, ça s'appelle injera. Ça s'enroule chaud et tu manges ça dans l'avion. On nous donne des serviettes chaudes, si tu veux, pour nous éponger, parce que et l'Éthiopien à côté de moi, il commence à le bouffer. Il a brûlé sa bouche. Il croyait que c'était une crêpe.